Paris Hilton s'est fait connaître pour ses excès et son sens de la fête. L'héritière semble s'engager aujourd'hui dans une voie bien différente. Ce mercredi 26 juin 2024, elle s'est exprimée devant la Chambre des représentants, à Washington, pour défendre les enfants victimes de mauvais traitements lors d'un placement en famille d'accueil. Paris Hilton est désormais maman de deux enfants. Un petit garçon, Phoenix, et une petite fille, London, sont venus embellir ses journées. La star a d'ailleurs récemment dévoilé le visage de sa fille pour la première fois. Elle a déjà prouvé à quel point elle pouvait être une maman poule. Quand le petit Phoenix a été critiqué par des internautes sur un détail physique, Paris Hilton n'a pas tardé à répliquer pour défendre son fils. Il semblerait que son instinct maternel la pousse désormais à se battre pour une cause qui lui tient à cœur. Ce mercredi 26 juin 2024, elle s'est rendue au Capitole à Washington pour militer en faveur d'une modernisation des programmes de protection de l'enfance. Bien qu'elle n'ait pas été placée en famille d'accueil, Paris Hilton a replongé dans de douloureux souvenirs personnels pour alerter les législateurs. Quand j'avais 16 ans, Jai était arraché à mon lit au milieu de la nuit et transporté d'un état à l'autre dans le premier des quatre centres de traitement résidentiel, explique-t-elle. Paris Hilton évoque ses propres traumatismes dès adolescente. D'après elle, c'est là que son enfer a commencé. Pendant 2 ans, Jai était gavé de médicaments et abusé sexuellement par le personnel. Jai était violemment maîtrisée, déshabillée, mise à l'isolement, déclare-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Elle ajoute que ses parents n'étaient pas au courant de ce qui se passait entre ses murs. L'ami de Kim Kardashian assure qu'ils ont été complètement trompés, dupés et manipulés par cette industrie à but lucratif au sujet du traitement inhumain que je subissais. Paris Hilton a ensuite pris à partie son auditoire. Ce secteur, qui pèse 23 milliards de dollars par an, considère cette population comme une source de revenus et opère sans véritable contrôle. Qu'est-ce qui est le plus important? Protéger les profits des entreprises ou protéger la vie des jeunes en famille d'accueil? Il semblerait qu'elle ait désormais trouvé un combat à défendre. Elle a d'ailleurs réitéré ses propos sur son compte Instagram. Du Capitole de Californie en avril à Washington aujourd'hui, je continuerai à plaider pour que chaque enfant soit en sécurité et à mettre en lumière ses abus, promet-elle dans un nouveau post. Une noble cause.